Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Channel Mon Affaire Bon TV. Nabdi, une fois de plus, bon week-end, mesdames, Messieurs. Eh bien, d'après sources, d'après informations que nous jouons là, mesdames, Messieurs, eh bien, pour d'ici fin de l'année, là, eh bien, semble-t-il que, ou même qui remet Léon Charles, eh bien, il y a une gros opération qui a préparé là, parce que nous connaissons que, oui, c'est ce que c'était, nous félicité Léon Charles, à toute équipe, mais question de sécurité en Noël continue à augmenter avec kidnapping. Mesdames, Messieurs, entre autres, eh bien, j'en ai suivi dans la photo ça, eh bien, nous avons policier ça, un policier au cap, malheureusement, eh bien, bandit et vidé à terre, mesdames, Messieurs, côté qu'il prend balle dans la bouche. Nous allons voir plus d'états comme ça, et nous avons question insécurité en continu, malheureusement, eh bien, jeune et madame ça que nous avons gardé là, eh bien, bandit kidnappé, lui a osé demander $300,000, mesdames, Messieurs. Nous allons voir détail ça, et nous allons rappeler très bien que, dans le cas, président Jovenel Moïse, personnalité de l'année, et nous parler de PM Jout, personnalité de l'année, évidemment les chouchous des chouchous, eh bien, et DG Léon Charles. Donc, nous allons entrer en Haïti tout de suite parce que nous avons une info pour vous, mesdames, Messieurs. Donc, mesdames, Messieurs, m'a invité à nous tendre audio côté que policiers a dénoncé et série de bagarres qui a passé dans le pays, zamio, côté zamio sorti, et ou toujours poser question, côté zamio sorti, eh bien, policiers qui mourent là, je veux dire là, eh bien, il y a quelques explications. Entre autres, est-ce que c'est ça qui cause l'embol? En nous tendez, mesdames, Messieurs, n'a pas saisi. En situation, Zama bambile dans le pays, côté Zamio passé. Zamio passé, sinon c'est lui qui tombe, non? Zamio passé la douane aussi simple que ça. Et ce n'est pas un an qui a passé la douane. Tout nègre qui est en politique là, c'est des nègres qui, au moins, qui ont 15 ans dans la politique du pays. Ils ont tout occupé la fonction de l'État déjà. Ils ont tout contrôlé la PN, qui ont contrôlé la douane déjà. Mais mélanger avec le gouvernement en place, tout le monde a contrôlé le bagage. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire corvée, nous ne pouvons pas craser comme nous voulons ici. Tandis que les gens qui ont des affaires là, ou saisir combien de gens là, et puis demain matin, les gens là, ils ont passé à l'événement météo. Moi-même, je me suis arrêté avec les gens déjà. Ils ont été mal servis. Les gens arrivent, les gens arrêtent. Non, 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 pas que là, non, pas que au cap. Et ça, ils vont qui fait longtemps. Non? Tout dernièrement, là, ça va. Dans le dossier négatif avec Cramio, l'homme d'arrêté, dernièrement, là, et puis, il était le mal servi témoin. L'homme rivé, fusil de 12, il était dans le tribunal, là. C'est pas de jambes fusil de 12, ça. Donc, il était saisi dans le cas, écoute, avec en présence de greffier et dictateur travail, et dans le moment. Et c'est pas fusil, ça, il était frappé, mais il était présenté comme ZAM. Avant même nèg sa ou lagué dernièrement là, et ba yo tout zama là mais pi red non sans raison. Tout ça a fait non meur. Bonjour Jimmy, bonjour auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice en channel Mon Affaire Bon TV. N'a salué tout diaspora qui écoute nous à travers monde là. Encore une fois, n'a souhaité nous bon dimanche, bon week-end tout le monde. Eh bien, Jimmy, on a commencé avec information ça à côté. Nous allons parler de l'inspecteur divisionnaire. On parle de tel Fort Ferré qui est tombé en bas balle bandit armé au niveau Carrefour La Chaux Cap Haïtien. Information a été confirmée par un correspondant nous-mêmes dans le channel Mon Affaire Bon TV depuis et deuxième ville pays à Cap Haïtien. Insécurité, nous connaissons pas épargné personne, même nous connaissons plusieurs semaines ça. Et quand le kidnapping a augmenté, et bien cette fois-ci, qu'on a ces questions de nous capables de dire, c'est un inspecteur et divisionnaire qui est arrivé tombé en bas balle gang armé. Et bien nous, il n'y a pas épargné personne. Insécurité a assumé pas gagné dans toute impunité aux ces populations. Nous soulignons tout que tous les plusieurs monde qui t'a et kidnappé deux ressortissants américains pendant 77 ans qui t'a kidnappé dans Port-au-Prince. Et ben n'a continuer avec information yo inspecteur divisionnaire dans voie ça que nous pas temps détailler comme ça. Il parlait à chaque fois il arrêter un bandit au niveau cap haïtien zam que il saisit dans mes bandits yo c'est pas les mêmes les joindre c'est l'autre zam li ouais des jeunes n'a pas. En même temps, tout, il parlait tout, à chaque fois l'arrêt au bandit, après 2-3 jours, il parlait au bandit, ça y est, pour le relâcher rapidement. Il se parlait comme si le pays, son pays était fait mal, son pays, côté, il n'y a pas qu'à faire rien là-dedans, ou à comprendre que même au niveau, au sein de l'État haïtien, même nek qui a deux pouvoirs, quoi faire des autres, ce n'est pas nek qui est dans le secteur privé, ou bien nek qui n'a en dit. Qui n'ont opposition qu'à faire des ordres, nous avons plus de nec à faire des ordres en dans le pays à tout, Jimmy.
Mais nous avons quitté l'information, nous avons quitté l'information inspecteur et division des actes d'Atombéa, nous avons dans le cadre Haïti diplomatie. Nous connaissons Bouchir Edmond qualifié de rejet déclaration, membre du Congrès américain, il a fait en parlant de semaine dernière. Et bien, nous, ambassadeur Haïti à Washington, Bouchir Edmond, il n'a vraiment pas apprécié la déclaration qui était faite par trois membres du congressman américain, côté États-Unis, favorable à une transition en Haïti. Nous connaissons trois congressmans, c'est Grégory Mix, Albio Sirez, Andy Levine, ils ont vraiment lâché la guerre en bon moment. Côté, ils ont annoncé une véritable douche froide dans le régime en place, côté ta positionné contre toute attente et formation de gouvernement de transition en Haïti, non notre qui ont été ensemble. Même côté à nous, quelques jours plus tard, ambassadeur à Washington, non, Bouchir Edmond, il réagit par rapport avec une déclaration, trois correspondants qui dit déclaration, ça paraît vraiment dérangeante, et il paraît pour qui ça. Founegyo a parlé de questions transition en deux pays. C'est sous prestation sur notre salle, mettez en fin avec information. Nous allons profiter place nous avec Léonel qui va partager plusieurs informations ensemble avec nous là. On a posé avec information et mesdames, messieurs, auditeurs de la Fébo TV, nouvelle tragique. Nous avons un dossier insécurité qui toujours a fait parler de lui et timidement, nous avons dit. Et bien, nous connaissons un dossier insécurité, nous toujours dit. C'est une insécurité politique, c'est une insécurité qui oriente, qui vient mettre lui. Mais pendant que Léon Charles a fait effort, il a pris signal de bandits, et bien nous là de l'autre côté, il y a des assassinats qui ont fait, et de temps à autre, non seulement sous population, des kidnappings qui ont fait, et aussi nous là, inspecteurs divisionnaires et policiers qui répondent au nom de tel forfait, et bien malheureusement, mesdames et messieurs, qui jouent dans mon lit, qui tombent en bas balle bandit, et ils n'ont pas arrivé à identifier, et bien, c'est au Cap Haïtien, précisément, dans le Carrefour La Chaux, tout près, et bien, zone non banane pour les gens qui connaissent au Cap bien. Et bien, dans la circonstance, quand les policiers, ils ont dit, ils ont divisé les arrivées, perdu la ville, et bien, quand ils ont pile dans la population, arrivé, et bien, partager peine ça, n'a pas rappelé. Inspecteur divisionné ça qui c'est tel forfait, c'est un formateur de la police qui est lié, c'est un monde qui est très très populaire, de nous là, et bien, malfrats, pas identifié, et nous connaissons tout, dans le département noir, précisément dans le Cap Haïtien, il y a un pile mauvais jet politique, un pile bras politique, et bien nous connaissons les policiers ça, et bien, inspecteur divisionné ça qui a fait un bon travail dans le département, précisément dans le Cap Haïtien, et bien, il est arrivé. Et vous assassinez, et mesdames, messieurs, nous voilà qui vraiment triste, c'est vraiment triste dans le pays. Nous voilà, la police a tombé, et les policiers ont tombé, mesdames, messieurs, ça qui peut être ça. On ne peut jamais entendre ça qui m'a été tué, non, d'Oisine, on ne peut jamais entendre dire rien. Nous connaissons mon parti politique qui est à la tête, li, et leader politique qui est Pierre Espérance. Et bien, lorsqu'un bandit tombé, l'on bandit est bien blessé, et bien, lié estomaqué. Mais depuis, un policier est tombé, un policier joint la molle, policier la population aussi, service, ou peut être pas même dire rien, parce que nous avons aucun problème avec policiers, y'a aucun problème avec citoyen civil, et bien, y'a caché derrière un parti politique, soi-disant, et bien, leader parti politique, et de l'opposition, en tant que membre d'opposition, et bien, c'est ça que faut, les policiers tombent, nous n'avons pas jamais dit rien, et bien, c'est bandit qui a supporté, pendant cette temps, j'étais à parler de massacre, dossier pour pas que le président Jovenel allait. Il faut que nous poursuivions avec information. Et bien justement, et nous avons parlé parler là, et amis auditeurs de la Fébo TV, et bien déjà, il y a une grande initiative qui prend au sein de l'opposition politique en Haïti. Et nous connaissons ça qui est le tête de l'opposition politique, mais nous ne connaissons pas l'opposition, parce que c'est des gens qui ont gommé pour proche, pour famille, c'est ça qui est noué. Au lieu de gommé pour pays, mais c'est des gens qui ne vont jamais gagner une alternative. Et de développement, qui n'a jamais eu un projet de développement, mais au contraire, c'est des mouns qui sont dans la politique depuis des années, des décennies, mais qui sont là pour qu'ils soient capables justement de prendre le pouvoir, et pas de prendre le pouvoir, pour qu'ils prennent le pouvoir. Et bien, nous avons une initiative qui prend la banque de l'opposition. Côté que nous avons parlé là, monsieur, déjà, et bien justement, choisi soi-disent, mouns, le handicap passé, président Jovenel là. Nous voyons qu'ils viennent avec un nom là, et nous voyons qu'ils prennent des prises pour le nom qui est ce qu'ils choisissent, comme on nous dit, qui va remplacer le président Jovenel. Mais de l'autre côté, le président Jovenel lui-même,
qui jure, qui s'amante, et bien, pouvoir l'a fini 7 février 2022. Nous connaissons deux choses qui étaient en pile débat, en pile discussion, beaucoup de non seulement secteur politique là, mais qui même, qui déjà, depuis le dernier événement pays local, il a gagné comme un projet sorti de crise, il a demandé, côté de Tabalman, de Rodé Jodel, pour négocier un an mandat, à tes 5 ans, et il a négocié un an mandat, et bien, pouvoir d'avoir pour un fin. En 7 février 2021, et le premier journal qui n'est pas d'accord, et bien, monsieur Mbang, côté au sorti avec les gens de réflexion, et bien, il faut comprendre que lorsque le premier pas d'accord, et bien, il vient avec un dossier, il faut comprendre que, et bien, pouvoir et mandat pour le premier journal de la fin en 2021. Mais il faut que nous disions, de l'autre côté, il y a l'ancien sénateur du département de la Gredas, à l'occurrence, André Richer, et même qui frappe bien la terre, contre lui fait connaître, justement, et le mandat du président Jovenel prend de la fin exactement le 7 février 2022, et bien, qui sait nous connaître, et bien, et constitution, c'est vrai, constitution, il y a faille, et constitution, lui-même, lui dit, et même constitution, ça lui dit, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Donc, ça veut dire, donc, discussion, ça lui-même, c'est vrai, monsieur, qui a parlé à. Yo bien yo ouais yo ouais que yo n'fait noir yo ouais que yo dans l'obscurité mais quand même il y a pas il y a fait je cherche il y a pas quand même mais faut que tout il y a pile monde beaucoup de population civile là et ben qui bail président le défi pour pas quitter pouvoir 7 février 2021 parce que yo campé d'après dans journal et red tout que macaque qu'une phase yo mandé faut en pile d'après micro tout temps qui nous fait yo mon mandé pour président rester sous voir 7 février 2022, si tout c'est là qui te vote, il faut qu'on tout, même si là qui va te voter, par rapport à plus de travaux de facilité qu'elle a fait, en plus de travail, surtout travail électrique là, et nous connaissons, pour les jeunes, la grande promesse de qu'elle te fait, dans mon qu'elle a parlé là, qui presque réalisé, qui c'est dossier électrification et PIA, dans mon qu'elle a parlé là, gagné justement dossier central électrique là. Donc, nous t'a parlé de lui comme une promesse, mais déjà là, il est déjà dans la commune Carrefour, pour dire que c'est l'espace qu'il a amélioré, il a préparé là, pour que, justement, le dossier ça, qu'il est capable de venir en réalité, pour nous capable de dire, dans le commencement année 2021 là, et bien, justement, de ces courants, il est déjà prêt à lui en réalité, parce que déjà, nous connaissons, et dans le monde qu'on a parlé là, et bien, Central Electrique, il est déjà dans la commune Carrefour, pour dire qu'il y a deux pour, déjà, ce travail, et amélioration qu'il a fait sur les réseaux, pour créer un coup de ces conjoints et qu'on va devenir une réalité. Il faut que nous disions, mesdames, messieurs, de l'autre côté, l'initiative qui prend bon côté secteur opposition, ils promettent, eh bien, si, côté que ils promettent, si qu'ils prennent pouvoir, eh bien, dans pile de travail pour les réalités faits, ils vont le craser, tant que l'armée d'Haïti, monsieur, là, ils prennent une solution avec l'armée, là, pour les jeunes, ils mettent sous pied, ils vont le craser, ils vont le démobiliser, ils vont le tout le monde va aller. Et nous connaissons là, et militaire FADH, je ne suis pas d'accord du tout. Il y en a deux qui dit il y a goumé jusqu'à dernier soupir. Il y a goumé non seulement pour le journal pas aller et 7 février 2021, mais tout pour capable de se voir. Et d'autant plus tout, nous connaissons même si M. Boïs n'a pas de pouvoir, il va le voir et M. Lamé va aller, il va le décraser Lamé encore. Et M. Lamé, tout qui pas d'accord, ça veut dire qu'il va y avoir une bataille. Il va en bataille perpétuelle. Et nous, là, et bien, en pile travail à fait. Et déjà, population, pour un pile monde dans la population, président Jovenel, c'est exactement l'homme de l'année. Là, mes personnalités, le personnalité, c'est personnalité de l'année qui est liée, président Jovenel. Nous connaissons en pile bataille qu'il fait, en pile bataille, mais c'est ça à faire, quand il vient retrouver une maturité politique énorme. Nous connaissons, malgré coronavirus, malgré pandémie coronavirus, pendant l'année 2020, ça, et bien justement, président Jovenel, l'île arrivé gagner en pile finale. Et nous connaissons pas, nous disons, c'est même monsieur Opposition qui toujours dit, et bien quand il va faire finale, mais chaque finale, ça, il a toujours perdu à zéro, président Jovenel, toujours sorti gagnant. Et bien nous connaissons, dans le monde, on a parlé là, même maître notre Joyce te dit, monsieur, il a joué, président Jovenel, 5 coupes, parce qu'il a joué environ 5 finales avec elle. C'est maître dans le Georges même qui le dit, pendant que lui-même était dans le cercle, pendant qu'il n'a pas l'amour, qu'il n'a pas l'air, mais il y a une opposition, hein. Et justement, eh bien, quand le journal, en tant que personnalité de l'année, dans une personnalité de l'année, bataille qu'elle menait face à Dimitri Job, face à des mondes, eh bien, qui est dans le secteur bancaire, dans le secteur énergie, et même face à la République dominicaine, le journal Goumé,
et nous devons tout en toute fin d'année, pour que même face avec corps groupe, le national fait quelques déclarations qui parlent sans corps groupe, pour que même des gens arrivent étonnés, et que des gens te font comprendre que un président national, eh bien, lycée reste avec et bien américain, mais le montrer par rapport à dernier décret ça qu'il prend malgré décret ça pas favorable avec les États-Unis, mais il prend quand même. Donc nous capable dit président Jovenel qui veut retrouver une maturité politique énorme, et nous capable dit la dernière année ça qui était là, nous capable dit environ 13 mois qui était ça pour président Jovenel t'a fini pouvoir et t'a sorti sous pouvoir, et bien en pile travail en fait en pile et la quitté en pointe sous pays d'Haïti. Et là, capable de rester comme une amie de président Aïe, parce que là, sur route, pour les, nous capables dire, déconseiller avec la population, avec plusieurs secteurs, pour que nous portions un remaniement dans la constitution, pour que mes populations soient capables, justement, nous connaissons des variations qu'on a faites, et de temps en temps, dans la technologie, dans la science, et bien, il n'est pas possible pour que nous toujours été avec une constitution qui date de vieille date, mais il faut que des nouveautés faites, il faut que des changements qui faites dans la vie sociale là. Nous connaissons, le monde qui a parlé là, même sur les réseaux sociaux, sur des façons que les gens ont fait fraude, et bien, justement, il y a bien avec des moyens pour sanctionner ça, et bien, pour que nous capables, justement, et up to date avec, et bien, justement, la technologie, et bien, c'est ça que nous avons fait là, le monde qui a parlé là, et bien, bon côté pouvoir, et bien, travail qu'on fait, et de l'autre côté, il y a promesse qui fait, et 2021 là, nous connaissons, élection qui doit faire, ouais, par ouais. Mais il faut que nous tous jusqu'à présent gagner piège gagner de côté monsieur Oissou là qui a bataille et pieds aimés et dans lui il y a bataille pieds aimés plus gros amis qui ont utilisé contre le président c'est de ces insécurités là c'est de ces sites kidnapping là et après l'aide de ces kidnappings de gens tombent dans le pays là je ne dirais pas c'est parce que mais lorsque c'est parce que tout de ces insécurités là c'est plus gros amis qui ont gagné contre le président Jovenel. On sait que des gens tombent dans le pays, on va jamais dire rien. Kidnapping a fait. Et faut que nous disions tout. Eh bien, et bataille qui a annoncé la couleur. Nous capables de nous pas rentrer en 2021. Eh bien, c'est ma revente. Prenez journal même les yeux. Que le pape fait lâche. Le pape lagué. Eh bien, la continue de battre avec messieurs. Eh bien, tant qu'on David face à Goliath. Très bien. Mesdames et messieurs, on a bloqué. Eh bien, oui, on a parlé de président Jovenel, personnalité de l'année, mais c'est sûr, c'était nous conscients. Et puis, il y a grand pile travail qui est pour faire. Et nous conscients de ça. Mais pendant que nous parlons de insécurité, eh bien, on a rappelé que madame ça, eh bien, bandit, kidnappé, question insécurité, non, niveau kidnapping, son problème lié. Et nous connaissons qui problème là actuellement, licite, et c'est deux côtés liés. C'est évidemment, nous voyons que c'est dans le village de Dieu, il est déplacé, mais qu'on y a là, il est plus dans sa vie. Et mais qu'on y a là, nous voyons que avec au cap, et malheureusement, mesdames et messieurs, pour les gens qui sont au cap, eh bien, grand insécurité qui est là. Donc, madame Sanab Gadi là, eh bien, bandit, osez demander plus de $300,000 pour lui, évidemment. Et parce que gain opération, gain entente qui a fait là, évidemment, et beaucoup de familles pour nous connaître exactement, non, car madame, ça c'est sûr et certain. Donc, mais et nous apprenons que, entre autres, mesdames et messieurs, eh bien, c'est sûr et certain, non, car des géants, eh bien, opération a fait passer l'étang de voir nous, et d'ailleurs, nous comme ça, et non, car policiers, mesdames et messieurs, dans le cas policiers, eh bien, nous apprenons qu'ils prennent balle dans la bouche. Nous avons des photos là, même parce qu'il n'est pas nécessaire pour nous montrer des photos. C'est quand même regrettable et pour fin d'année là. Et nous avons des policiers que tout le monde a aimé, sont policiers vraiment qui a fait un travail remarquable, qui a bâti le résultat. Eh bien, bandit ça, yo, pas oublier qu'il a utilisé toutes sortes de stratégies pour déstabiliser la police, pour déstabiliser le gouvernement. Donc ça, c'est une stratégie. Tout le monde qui est capable de faire des résultats, il a essayé pour être capable d'éliminer. C'est une avancée avec InfoYo. Nous avons rappelé, nous arrêter à peu près une minute avant que nous mettions fin, mesdames et messieurs. C'était une édition vraiment spéciale pour nous-mêmes qui t'attendons de nous. Et la NOL, eh bien, ce n'est pas nous qui disons, c'est la population qui dit, c'est diaspora qui dit la NOL, président Jovenel Moïse et personnalité de l'année. Bon, c'est très bien et bon, ces populations sont déjà contents, mais nous allons tourner plus tard avec évidemment photo et côté que nous allons entrer dans le micro trottoir pour nous faire entendre voir la population directement qui content du travail président.